sent plutôt bien, je dois dire. Hein, c'est jamais gagné d'avance. C'est vrai que c'était le cheval favori de cette épreuve. Il est très rapide, mais une barre est vite arrivée. Chaque année, il nous rajoute un petit peu plus de tombants. Enfin, j'étais très vite, mais j'ai pas pu prendre vraiment tous les risques. C'est la raison pour laquelle Jung a bien failli me battre. En tout cas, il m'a talonné vraiment. Heureusement, il a fait tomber le tonneau avant-dernier obstacle. J'ai trouvé plutôt plus technique, j'ai trouvé qu'il y avait très peu d'endroits où on pouvait vraiment prendre du galop. C'est vraiment tout le temps obligé. Plus ça va, plus il nous empêche d'aller en ligne droite en fait. Et tout le temps des foulées un petit peu courtes. Pas vraiment un petit peu courtes, mais quand même dans la foulée. C'est-à-dire s'il y a 5 foulées, on ne peut pas en faire 4. Et la chance de Punch, c'est qu'il est capable d'aller dans les deux sens, c'est-à-dire il est capable de s'allonger et aussi de se raccourcir, mais tout en gardant quasiment la même vitesse. Et il est génial pour ça. Et il tourne sur place. Il est dans mon cerveau, c'est incroyable. Magic Punch, quoi. Punch est un cheval formidable. Oui, parce que l'année dernière, j'étais un peu déçu de m'être fait ravir la victoire dans un barème différent, parce que l'année dernière, c'était le barème du plus proche du temps idéal. Là, au moins, c'est le vrai sport, là, le plus rapide qui gagne, et ça, c'est à l'avantage de Punch. Ah bah, il y a quand même les Jeux de Tokyo pour Punch et Triton que j'ai également. Punch est dans le groupe 2 et Triton dans le groupe 1. Et bah voilà, on a plein de projets. On a lancé sur les réseaux sociaux 26 semaines avant Tokyo. Donc chaque semaine, je propose ce que je fais dans la semaine, ce qu'on travaille. Et notamment, on met en place avec le vétérinaire et l'entraîneur, on met en place sur le tapis roulant, avec moi d'abord pour tester. Et après le cheval, sur le tapis roulant, entouré avec des bâches, etc., avec une soufflerie de chaleur et un brumisateur pour essayer de retrouver les mêmes conditions un peu qu'à Tokyo. Et d'abord, on fait ça, je sais pas moi, 10 minutes, et après un peu plus long, et puis jusqu'à Tokyo pour essayer que le corps du cheval et le mien s'adaptent le plus facilement possible.